بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 29 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, année scolaire 2020-2021. Résoudre dans R l'équation suivante. 4 sinus carré x moins 4 racine carré 3 sinus x plus 3 est égal à 0. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On a. Puis je copie mon équation trigonométrique. Et je la pose ici. On a 4 sinus carré x moins 4 racine carré 3 sinus x est égal, plus 3 est égal à 0. Ceci équivaut à dire, et je peux transformer cette expression mathématique pour la rendre sous forme d'une identité remarquable. C'est 2 sinus x, le tout au carré, moins 2 fois 2 sinus x, fois racine carré de 3, plus racine carrée de 3 au carré, est égal à 0. Et vous voyez qu'on a trouvé l'identité remarquable numéro 2. A au carré moins 2ab plus b au carré qui est égal à a moins b le tout au carré. C'est-à-dire 2 sinus x moins racine carrée de 3 le tout au carré. Ceci est égal à 0. Le carré d'un nombre est nul, c'est-à-dire ce nombre est nul, c'est-à-dire 2 sinus x moins racine carrée de 3 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que sinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et vous connaissez bien sûr l'angle dont le sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2. Bien sûr, c'est pi sur 3. Sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, sinus x est égal à sinus pi sur 3. Ceci équivaut à dire, et je vais utiliser la propriété qu'on a vue dans notre cours. Sinus x est égal à sinus alpha signifie que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Donc, c'est-à-dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi, où x est égal à pi moins pi sur 3 plus k de pi. Ceci équivaut à x toujours est égal à pi sur 3 plus k de pi, bien sûr k, un élément qui appartient à z. X est égal à pi sur 3 plus k de pi, où x est égal pi moins pi sur 3, donc c'est 3 pi moins pi, c'est 2 pi. Donc 2 pi sur 3 plus k de pi. K, bien sûr, un élément qui appartient à Z. Maintenant, je donne la conclusion. L'ensemble solution de notre équation trigonométrique, c'est l'ensemble des nombres formés par pi sur 3 plus k de pi, 2 pi sur 3 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.